regardez qui arrive, la cassos. Alors, ça va bien ou quoi? Vas-y, Eh, hey, venez voir, il y a un live. Ton cœur, elle. Ah non, mais elle est éclatée au sol, cette meuf. Ça fait 30 ans que ça dure. Mais regarde comment elle s'habille aussi. À force, elle mérite. Quelle bouffonne. Attends. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Chut. Ne t'inquiète pas. Ils ne sont pas dangereux. Mais... ils risquent d'attirer l'attention sur nous. Avec ça, on n'aura plus d'endroit où se cacher. Ils pourront nous atteindre partout. Je suis fichue, ils m'ont retrouvée. Passons, je sens que j'aurai bientôt plus la force. Mais attends, là, tu peux pas me laisser. Écoute, je sais pas comment t'arrives à me voir, ni pourquoi t'es là, mais toi et moi, on n'est pas du tout du même côté de la barrière. Regardez qui arrive. Toi et moi, on est pas du tout du même côté de la barrière. J'aurais bientôt plus la force. Je savais pas que tu avais tout ça. Et on n'est pas si différents. Tu sais, t'as pas à te battre toute seule. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on en parle à la CPE. Mais c'est toi qui décides. Et je te lâcherai pas. Si tu es témoin ou victime de harcèlement, il y a toujours une personne de confiance pour en parler dans ton établissement. Élèves, parents, professionnels, en cas de harcèlement, appelez le 3020. En cas de cyberharcèlement, le 3018. Et si l'autre? C'était toi.